Bienvenue au studio Rock Moderne avec une douzaine de nouveautés à vous présenter et un nouveau micro, une nouvelle prise de son parce que le micro de mon smartphone avait lâché. Et je m'en excuse pour la dernière vidéo que je vous avais faite et on m'avait souligné que le son n'était pas très bon, mais là j'ai fait des tests, normalement ça doit être impeccable. Alors une douzaine de nouveautés, en fait pas vraiment des nouveautés parce qu'il s'agit surtout des années 2022-23 et un petit peu de 2024, puisqu'on a cette nouveauté. Donc cette nouveauté, un groupe breton, donc à la fois de Brest et originaire de Brest et de Rennes. Et donc Gwendoline avec leur album C'est à moi ça. Et on a aussi leur single, leur vidéo Héros National. Voilà. Alors, donc un pressage de très bonne qualité, un très bon master. Ensuite, bon, ça a le mérite d'être sorti en 2024, d'être une nouveauté. Et ils avaient sorti un autre album, leur premier album, après C'est Gobelet, en 2020. Et j'ai trouvé que c'est un mélange à la fois de rock indépendant, de séquenceur, de rap soft, c'est quand même chanté. Voilà. Alors il y a Michael Olivette et Pierre Barrette comme membres de ce groupe. Le label c'est Born Bad Records 2024. Voilà. Voilà la tracklist. Et voilà ici, avec un visage un peu masqué, style Daft Punk. Voilà, donc tout ce que je pouvais vous dire, et c'est vraiment excellent. Je viens de l'écouter d'ailleurs, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, 19 euros. Mais voyez, c'est quand même, voilà, c'est pas du 180 grammes, mais il n'y a pas de pop, il n'y a pas de craquement, pas de bruit de surface, il y a un très bon master. Bravo, franchement, si j'avais à passer par un label, ben, finalement, je passerais par ce label français, finalement. Voilà, bon, je vais un peu vite, je peux pas vous montrer des extraits sinon la vidéo va durer des heures, donc c'est pour ça que ça complique un petit peu. Allez, hop, ensuite, donc puisqu'on est dans le français, Oshi, donc elle n'est pas à son premier coup d'essai, Cœur Parapluie, donc c'est Mathilde Jenner comme chanteuse, elle avait démarré en 2018, c'est son cinquième album. Sur le label Jo & Co. 2023, elle est originaire de Versailles et du Japon aussi. Voilà, alors Cœur Parapluie, version exclusive de la FNAC avec Mauvais Rêve, Je Partirai, Puis T'as Dansé Avec Moi, Ne Saute Pas, featuring Calogero et Superstar featuring Izia. Alors, on pourrait sortir la totalité des titres qui sont ici en single, tellement que l'album est bon. Bon, alors, le classer dans quoi? Il y a de l'électro, il y a aussi des morceaux plus rock, plus pop. Voilà, c'est vraiment très bien. Et il y a en tournée au Zénith en 2024. Alors, difficile à avoir, hein, je peux plus dire maintenant c'est sold out, parce que... mais toujours est-il qu'en ligne à la FNAC, vous pouvez pas l'avoir. Faut aller dans les magasins FNAC pour se le procurer. Donc 2023 évidemment, voilà tout ce que je pouvais vous dire, à part que je vais vous montrer un petit peu donc l'intérieur avec un vinyle sans, vous voyez lui aussi, hein, mais très très bon master, très très bon pressage. Voilà, les 180 grammes, c'est uniquement, je vous ai dit, pour la stabilité du disque et le fait qu'il ne se voile pas, c'est uniquement ça, ça n'a rien du tout à voir avec la qualité sonore. Ensuite, les 4 saisons de Weezer, alors pas en Amérique, hein. Groupe de Los Angeles, groupe rock avec Rivers Cuomo qui avait démarré en 1992 sur le label Crush Music pour les 75 ans d'Atlantique, sorti en 2022. Je remercie Mister Blu-ray Vinyl de me les avoir indiqué à la FNAC, il leur restait encore aux alentours de 20 euros, sinon leur prix, leur cote a nettement augmenté. Alors, il y a des reprises évidemment des 4 saisons de Vivaldi, mais pas que. Il y a beaucoup de morceaux originaux dans le style plus rock, synth-pop, hein, je dirais. Alors vraiment, alors vous avez le printemps évidemment, l'été, l'automne et l'hiver.
voyez, pour les 75 ans de l'Atlantic Records, et ce sont des vinyles couleurs que j'ai choisis. Il doit y avoir dispo des vinyles noirs, mais moi je voulais les vinyles couleurs pour les 75 ans d'Atlantic Records. Donc c'est peut-être une réédition. C'est marqué 2022, mais ça a peut-être été réédité en 2023 pour les 75 ans d'Atlantic. C'est possible. C'est possible. Ou alors, bon, c'était sorti en 22 aussi. Voilà. Donc, vous voyez, je vous montre quand même la tracklist, la pochette. Voilà. Alors, ensuite, on a le deuxième opus. Donc, il s'agit donc de l'été, toujours chez Atlantic Crush Records, Atlantic 75 ans. Et avec, évidemment, Seasons pour le logo ici, donc Four Seasons, quatre saisons. Voilà, donc moi j'ai monsieur Mister Blu-ray vinyle, je crois qu'il vous a montré des vinyles noirs. Moi j'ai préféré version colorée, elles étaient encore bon marché. Voilà, à l'époque, transparente neon yellow vinyl, et l'autre c'était Glow in the Dark. Vinyl. Alors ensuite on a l'automne. Ah, ils sont tous bons, hein, les quatre. Olive Vinyl. Voilà. Ils sont tous bons. Je vous les conseille. C'est vraiment du fabuleux, du lourd. Voilà. Donc de Los Angeles. Voilà. C'est étonnant pour des Américains. On aurait pu croire davantage à un travail européen, mais finalement, voilà. Bon, c'est un petit peu synth-pop, quoi. C'est un peu dans mon style. Voilà. Hop. Ensuite, le quatrième, donc c'est l'hiver, mais ils sont tous bons. Hein. Vraiment excellent, il fallait avoir les quatre. Il y en a peut-être un que j'ai payé un petit peu plus cher, une trentaine d'euros, parce que c'était pas sur le même site. Peut-être c'était... Je me souviens plus. Mais autrement, à l'époque, voilà, avec un vinyle, celui-ci, toujours pareil, du 140, hein, c'est pas du 180, mais très très bien pressé, évidemment, 75 de, voilà. Alors celui-ci, j'ai peut-être pas écouté, parce que je vois qu'il n'est pas dans sa pochette antistatique, pourtant ça m'étonne, hein, parce que je les ai tous écoutés, mais bon, peut-être que je n'avais pas sous la main à ce moment-là, mais ils sont tous excellents. Bon, alors ensuite, on part en Angleterre avec les Rolling Stones, Mick Jagger, avec le fameux Hackney Diamonds. Alors finalement, je vais être le dernier de France et de Navarre à vous le présenter, et c'est tout dire. Alors excellent disque, hein, c'est vrai que Polydor nous a sorti ça en 2023, en fin 2023. Et c'est vraiment le premier album véritablement original des Rolling Stones depuis A Bigger Band de 2005, c'est-à-dire ça fait quand même presque 20 ans, 18 ans. Alors il y a la participation d'Elton John, Lady Gaga, Paul McCartney, Stevie Wonder, avec les titres, les singles Angry, Sweet Sons of Heaven et Miss It Up. Alors, très très bon master, très très belle production, mais c'est trop beau pour être vrai, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un album excellent des Rolling Stones. Celui qui aime les Rolling Stones, il sera très... Il adorera, moi j'ai bien aimé, mais c'est un album excellent, mais un album sans surprise du tout. Voilà. Il n'y a pas d'innovation majeure, il n'y a pas de... Enfin, évidemment, avec l'âge de Mick Jagger, c'est quand même une prouesse, une véritable prouesse... bon, ça c'est l'édition marquée. J'arrive pas à l'enlever ce blister, dis donc. C'est l'édition Fnac exclusive, mais en fait qu'on retrouve sur d'autres sites comme d'habitude. Et le label c'était, je vous l'ai dit, hein, c'était donc Polydor. Voilà, Polydor. Alors, il existe d'autres pochettes alternatives sur le site du groupe, mais celle-ci est pas mal et bon, elle est dans l'air du temps, dans le 3D. Hein. Comme d'habitude, alors on a quand même, bon, vu le prix, on a quand même un livret
Même pas un livret, qu'est-ce que je dis? Non, 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 non. On n'a pas de livret là. Non, c'est pas cette édition, il n'y a pas de livret là, mais on a une sous-pochette qui a été rajoutée et notamment qui permet de ne pas avoir de pochette éclatée. Bon, c'est un peu violet, c'est l'édition violette exclusive. Voilà. Par contre, là, il s'agit de 180 grammes. Mais de toute façon, le pressage est excellent, Master aussi. Et c'est ça qui fait la différence avec ce très bien, très beau logo 3D. Voilà, un petit peu style animé. Voilà ce que je pouvais vous dire. Non, mais c'est quand même un excellent disque. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'innovation majeure. Bon, on revient dans les meilleures périodes des Rolling Stones. Mais voilà, et avec les moyens d'enregistrement de maintenant, hein, le style de maintenant, si vous voulez. Mais il n'y a pas d'innovation majeure. Je n'ai pas trouvé à l'oreille, bien que ce soit excellent. Voilà. Tout ce que je pouvais vous dire sur ces Rolling Stones, à la tracklist. Voilà. Ensuite, alors Temples, alors c'est pas du tout du même niveau, hein. Bien sûr, groupe anglais avec Adam Smith, groupe psyché anglais, c'est le cinquième album, ils avaient démarré en 2013, je vous ai tous présenté les albums, et celui-ci 2023 chez Atto Records, avec le single Cicada, qui est orientaliste un petit peu, et que j'aime bien, j'ai bien aimé. Mais enfin, c'est un petit peu de la synth-pop, c'est plus du tout le rock indé des débuts. Et ça, c'est la version limite indie exclusive Pink Vinyl. Voilà, avec ses singles, donc Exotico. Voilà, ça se veut plus exotique, plus oriental, diront, plus égyptien. Une très bonne vidéo. Moi, j'ai bien aimé quand même l'album. Mais c'est toujours un petit peu le style laborieux, le style psyché, un peu synth-pop aussi. Voilà, électro-synth-pop un peu que certains ont critiqué. Mais bon, moi, je l'ai trouvé pas cher aussi. Voilà, une vingtaine d'euros. Voilà, vous voyez, très jolie, très belle édition. Voilà, j'essaye toujours pour le même prix à peu près de prendre l'édition limitée, comme ça conserve une petite cote entre guillemets, bien que je ne négocie rien, je ne revends jamais rien. Mais bon, quand même, pour sa collection, c'est quand même agréable d'avoir un disque qui a une petite valeur, parce que si ce groupe est moins apprécié, le disque peut l'être également, et en version noire, on peut avoir des disques qui se bradent par la suite pour rien, quoi. Voilà, mais enfin, moi j'ai trouvé bien quand même. enfin, si se brade, c'est tout dire. Bon, mais bon, c'est disque moyen, mais quand même bien, bien, moi j'ai bien aimé. Alors, puis notre disque moyen du groupe LP, donc avec Laura Pingozzi. Pingolizzi, j'arriverai à le prononcer quand même, Laura, donc on va dire, groupe à l'origine de New York en 2001, puis après ils sont migrés vers Los Angeles en Amérique, donc Love Lines, l'édition Neon Green Vinyl avec les singles Golden One Like You. Voilà, très bon chez BMG, que dire. Voilà, c'est un petit peu, comment on dirait, pop rock, légèrement synth-pop, voilà, chez BMG, voilà, Ukerazi Productions, voilà, c'est du GZ Media, mais bon, moi j'avais pas trouvé, il me semble que j'avais eu quand même quelques défauts. Alors on va l'ouvrir, puisque acheté à la FNAC, vous voyez, à un prix tout à fait raisonnable, c'est ça, GZ Media permet de baisser les prix, voilà. Mais bon, des fois, la qualité de pressage n'est pas au rendez-vous tout le temps. Il peut y avoir des bruits de surface, quelques pops. Voilà, j'ai toujours eu quelques pops chez GZ Media et les pochettes sont en carton bouilli, en carton recyclé. Voilà, bon, enfin, évidemment, c'est du low cost. Ça permet de le payer 23 au lieu de 35 euros. Voilà, donc la chanteuse, toujours bien. Alors, il y avait eu un bon album que je vous avais présenté il y a quelques années. Vous voyez, ça c'est mon ticket d'achat à la FNAC. Et Neon Green Vinyl. Alors là, vous en avez vraiment plein la vue. Voilà, très bon master. Ça s'écoute bien. Ça s'écoute bien. C'est pas un des meilleurs du groupe. C'est pas, il n'y a pas d'innovation extraordinaire. Mais enfin, voilà ce que je pouvais vous dire. Bon. Sur ce groupe. Ah, par contre, là, on va chez du lourd. Ça m'a beaucoup plu. Donc, je les appelle, c'est Crosses, bon, ou Three Crosses, hein, puisqu'il y a trois.
Trois-Croix, groupe de rock électronique, une émanation des Deftones, avec le chanteur Chino Moreno et puis d'autres membres du groupe, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Ils avaient démarré en 2011 à Los Angeles, 2014 premier album, et là 2023, ils n'en ont pas sorti beaucoup. Beaucoup d'albums, donc chez Warner Records, Good Night, Good Bless, I Love You, Delete, avec le single Pleasure et Invisible Hand. Voilà, j'ai tout dit, mais c'est vraiment excellent, excellent. Là, c'est la version indie exclusive, c'est avant-gardiste, j'ai beaucoup aimé, tout est bon. C'est vraiment, on rentre progressivement dans le disque, c'est vraiment du. Oh, je dirais, c'est presque de la new wave, avant-gardiste. C'est vraiment très, 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 très bon. Hein. Pleasure Invisible Hand, vous voyez, en premier titre, tout est bon. Moi, j'ai tout. Mais enfin, bon, c'est un petit peu avant-gardiste quand même, je trouve. Hein, c'est ça qui est bien. C'est novateur, c'est vraiment excellent. Voilà. Peut-être plus difficile à trouver maintenant cet album. Je les ai depuis tellement longtemps que j'ai oublié d'où ça vient. Peut-être chez HHV en Allemagne, c'est possible. Je sais plus. Je sais plus du tout. Et voilà, on a surtout cette version qui est donc noire transparente qu'ils appellent. Alors, je ne sais pas si je l'ai sur le sticker Black Ice. Voilà, Black Ice Colored Vinyl, très très joli. 140 grammes, mais c'est très bien pressé, très bon master. Oh, je vous le conseille. C'est un petit peu ça, évidemment, dans la lignée des Deftones, mais quand même, c'est beaucoup plus recherché, à mon avis. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, les membres. Voilà, c'est pour ça qu'ils avaient voulu faire quelque chose d'un petit peu plus. Plus avant-gardiste, je dirais, plus recherché, voilà. Voilà, très 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 bon disque, peut-être un des meilleurs de la série, voilà. Avec le premier Gwendoline aussi, qui était vraiment excellent, que j'ai bien aimé. Gwendoline, c'est plus Foray Day Records, un petit peu, et là, c'est plus un petit peu électronique. Ensuite, moi, j'ai bien aimé aussi en rock indépendant Synth Pop, The View, Indie Rock. Ils sont de Dundee en Écosse avec Irene Fellowster. C'est un peu de la Synth Pop. Ils avaient démarré en 2007, c'est leur sixième LP. Et donc chez Cooking Vinyl en 2023. Voilà, donc The View, Exorcism of Youth. Voilà, très très bon. Très bon album. Voilà, j'ai pris des notes pour aller plus vite. Hein, et il s'agit d'un. Non, c'est pas un Gatefold, donc je vais pouvoir le laisser. Voilà, The View, très 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 bon. Très bon groupe. Tout est bon. Tout est bon. Rock indépendant, mais je dirais un peu plus style New Wave, un petit peu. Voilà, avec la version évidemment chez HHV Records. Donc rock indépendant. Limited Admiral. Admiral Red Vinyl. J'espère que je vais retrouver ma sous-pochette en. Oh là là. Bon, écoutez, je le rangerai après parce que là, c'est plus possible. Hop! L'électricité statique est trop forte. Voilà, donc c'est Indie Exclusive Limited Edition Admiral Red Vinyl. C'est plutôt Orange, je dirais, mais bon. Donc, je vous l'ai dit, Cooking Vinyl, voilà, 2023, avec donc toute cette tracklist, voilà. Hop. Ensuite, un petit slow dive. Ben, slow dive, c'est un peu bizarre parce que c'est un groupe anglais qui avait démarré en 89, premier LP en 91, et c'est que le cinquième en 2023. Il nous a sorti Christian Saville nous a sorti sur le label Dead Oceans en 2023 de la dream pop, un pop rock, je dirais. Everything is alive, donc voilà, donc bien, 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 bien. Et alors, hop, ça, on va l'enlever.
Oui, c'est vrai. C'est ta version aussi Everything is Alive, The Band's fifth, ouais, cinquième album, On Crystal Clear Vinyl, vous voyez, c'est le cinquième album depuis quand même 25 ans pratiquement. Ouais, c'est toujours GZ Media, mais aussi le label, le label, le label, le label. Le label, c'est. Ah oui, je vous l'ai dit, Dead Oceans, voilà, c'est ça. Donc, on va ouvrir le disque. Alors, c'est assez calme, hein. C'est celui qui aime un peu la dream pop. Oula, 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 j'ai failli déchirer le sticker, mon Dieu. Voilà. Après, il y aura pas mal de rangements à faire. Voilà. Donc, alors ça, je me demande si ça vient pas de la Fnac ou je sais plus en fait. Tellement longtemps que je les ai. Et c'était une jolie couleur, un petit peu légèrement rosée, un petit peu, vous voyez, un petit peu violacé. Très joli. Très bon master, voilà, très bon. Enfin, faut pas s'endormir dessus, quoi, voilà. Celui qui aime les choses calmes, mais c'est de qualité. Voilà. Ensuite, alors là, pas du tout le même style, Romy. Alors, Madeleine Croft, chanteuse londonienne de 2023. Love Air, Mid Air, voilà. Limited Edition Neon Pink Vinyl avec Love Air et Weightless comme single. Voilà, c'est plutôt. Or, dans quoi je l'ai classé Electronic Pop, oui, voilà, c'est ça. Donc Love Air, Weightless, et le label, c'est un label Young. Voilà. Alors, je sais pas quelle est la majeure qui a repressé ça du label. Voilà. Donc je sais qu'il y a une édition CD japonaise quand même, assez appréciée au Japon. Voilà. Donc c'est plus énergique hein, que Slowdive, hein, je vous rassure. Et il y a aussi un joli petit poster à l'intérieur, style un petit peu japonais, un liner. Comme ça, on n'a pas une sous-pochette qui s'éclate. Merci. Le jour où ils comprendront ça, tous les labels, de mettre systématiquement les disques dans des pochettes comme ça pour éviter les éclatements. Et on a donc ce très joli label. Donc ça se laisse écouter, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est très fruité, c'est très frais. Voilà. Donc, Romy, ça fait un moment que je les avais, des fois ça fait presque 6 mois, j'avais pas le temps de vous faire la vidéo. Alors ensuite, j'étais un peu déçu par Voyage Second Light. Ils avaient démarré en 2019, c'est leur troisième LP. Celui-ci est de 2023, avec Tim Cox, nom du groupe initialement. Donc Synthwave, avec beaucoup d'instrumentaux. Label Stratford City. Voilà, donc c'est surtout des instrumentaux. Et moi j'ai trouvé sans surprise, c'est un peu fatigant, un peu d'électronique, mais c'est pas assez recherché, pas assez travaillé. Voilà. À mon avis, c'est un style qui n'est pas du tout assez travaillé. Il y a de bonnes idées, il y a de bons morceaux, mais c'est pas assez sophistiqué, c'est pas assez planant, je sais pas. Alors où est-ce que ça venait ça? Ça vient de chez DHL, oui ça venait avec le H, le Duran Duran, le Gus Gus et Voyage, voilà, que je vous avais déjà présenté le H, le Duran Duran, Danse Macabre et Gus Gus, Mobile Home. Je vous avais déjà présenté ces trois albums, ça venait de HHV Records et Voyage, donc j'avais mis un peu de côté avec une belle édition, voilà, une belle, très 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 jolie édition, hein. Mais c'est pas mal, c'est pas mal, mais j'ai trouvé fatigant, c'est que c'est de la musique fatigante, voilà, pourtant on peut écouter du métal, mais c'est pas forcément fatigant, là c'est du séquençage, il y a du numérique, il y a quelque chose qui m'irrite l'oreille. J'ai eu du mal d'arriver à la fin, mais c'est intellectuellement, il est très très bon. Voilà. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va terminer par du Soul, une exclusivité Fnac. Alors je sais pas exactement. Donc Arlo Parks, My Soft Machine, c'est de la Soul 2023 avec Anaïs qui a un nom épouvantable. Je vais pas l'écorcher. Weightless, Pegasus, Blaze, Impurity. 4 vidéos là-dessus, voilà, et c'est du gatefold, je vais pouvoir l'enlever, c'est beaucoup plus reposant, c'est de meilleure qualité, j'ai trouvé, c'est bien, c'est dans un autre style, hein. Voilà, la chanteuse ici, voilà, donc, et c'est un groupe, qui est pas mal du tout, voilà, hop, je regarde Béatrice
Transgressive, le label. Voilà. Et on a une édition. Voilà, on a une jolie édition. Alors, Soft Machine. Oui, c'est sous licence Transgressive Records, mais donc Arlo, voilà. Arlo Parks, bien sûr. Voilà. Trans. Voilà. Je peux pas vous dire plus là-dessus. Voilà, très joli vinyle orangé. Voilà, très belle édition. Ben voilà, donc vous voyez, j'ai quand même essayé de vous présenter des nouveautés, une douzaine de nouveautés dans un temps en record. Bon, il n'y a pas d'extraits musicaux. Après, je vous mettrai des liens. Vous aurez des liens avec un hashtag. Donc, je pense que ça renverra quand même à des liens musicaux. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors autrement, mais écoutez, j'espère que le son vous a plu, la vidéo aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker la vidéo, à la partager, à laisser vos commentaires hein, sur Rolling Stone, surtout si vous avez déjà écouté ces disques, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, et bien bon visionnage, et puis je pense que la prochaine vidéo, il y aura quand même quelques disques de bande originale. J'ai pas encore tout reçu, voilà, donc c'est pour ça que ça risque de tarder un petit peu. Voilà, il y aura du scream, il y aura, voilà. J'espère aussi que l'émission avec Wanted Wax vous a, Dimitri, donc vous a plu. Donc c'est sur sa chaîne, il m'a invité et je suis parrain de cette émission. 33 tours, 33 questions, donc l'émission initialement devait durer 1 heure, elle a duré 2 heures, donc il ne faut pas en vouloir à Dimitri. Parfois il m'a coupé la parole, et heureusement, parce que sinon on aurait eu des équivalents de live de 3 heures. Après, il y a certains qui se seraient découragés. Voilà, merci encore Dimitri, super sympa de m'avoir invité. Et puis c'est un concept super bien, parce qu'on fait le tour vraiment de la personnalité du youtubeur, du collectionneur, donc interviewé. Donc je trouve c'est bien, c'est bien. Voilà. Alors, il y aura peut-être une surprise aussi. J'ai en préparation un clip vidéo dont l'image va être faite par ma fille qui est en design, hein, qui est un peu spécialiste là-dedans. Donc, il va faire l'animation du clip de 6 minutes. Et moi, j'avais sorti en 2003 un excellent morceau. J'avais fait un sample sur un sample de 30 secondes d'un DJ. Vous découvrirez. Donc, j'avais samplé ce sample, j'allais dire cet extrait. Et j'en avais sorti un morceau complètement différent et excellent. J'avais mis une semaine pour le sortir à l'époque, puis j'avais les moyens, j'avais un ordinateur avec carte son et des logiciels que j'ai plus. Donc c'est vraiment un... Non, je suis peut-être un petit peu orgueilleux, mais non seulement c'est mon meilleur morceau de musique parce que j'en ai composé d'autres, mais en plus c'est un de mes meilleurs morceaux de musique que j'ai globalement, vous voyez un petit peu. Donc j'avais fait une réussite là, alors je m'étais dit comme les droits d'auteur ça passe, pour les droits d'auteur du sample, c'est un peu de la house quoi finalement, de l'électro, hein, c'est un petit peu, il y a des tas de groupes qui ont sorti des morceaux de musique sur des samples hein, aussi hein, qui... et là franchement c'est parfait, c'est parfait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc 2003, et là vous cernerez mieux ma personnalité, comme quoi faut pas m'enfermer dans la new wave, dans le vieux. J'ai toujours été à la pointe de l'électronique, un peu comme Jean-Michel Jarre, je vais pas me comparer bien sûr, hein. Mais j'ai toujours été à la pointe dans mes goûts de l'électronique et de la nouveauté. Donc je suis passé par la techno, par l'électro, par le rap, par le hip-hop, par tout ça, et également donc la dance. La future pop, tout ça, et puis même maintenant, c'est pour ça que je présente des groupes électro, des groupes synth pop, des groupes rock indépendants, parce que je suis toujours à la pointe du progrès, de la nouveauté, et vous en rendrez compte en écoutant ça, vous direz ah oui, 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 alors là on était passé à côté de rock moderne, c'est pas du tout le papy vinyle dans son coin de la new wave à nous passer des disques il y a 40 ans, non, 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 c'est pas du tout ça, j'ai toujours été à la pointe de la nouveauté, de l'électronique, et vous le découvrirez avec ce clip. Voilà, salut, à bientôt.